quel est le sens de la vie pour vous? Pardon, le sens de la vie? le sens de la vie, franchement, faire ce qu'on aime peut-être. C'est profond comme question, vraiment, monsieur, c'est vraiment profond. Je dirais que le sens de la vie, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a l'amour, il y a le fait de construire une famille, ouais, d'avoir une descendance, c'est de laisser une trace derrière soi. Enfin, ouais, des enfants, déjà, c'est laisser une trace derrière soi. Après, peut-être, bon, ouais. Voilà, des enfants. Et construire quelque chose, avoir une maison. Moi, je dirais genre. En vrai, c'est basique de dire le sens de la vie, c'est non, ça, mais. Non, parce que, je sais pas. Moi, le sens de la vie, c'est beaucoup. Il n'y a pas de sens à la vie. Pourquoi on met du sens à la vie? Il n'y a pas de sens. Non, moi, j'aime bien l'idée de donner du sens, en fait. C'est le hasard. Moi, j'aime bien l'idée de donner du sens. Je trouve que, genre, ça change, en fait, le. Non, moi je suis plutôt d'accord avec elle, donner une descendance, avoir des enfants, une famille, l'amour, tout moi, ça, genre en fait, le sens de la vie. Sens à la vie, tu vois, ça. Moi je pense qu'il y a plein de sens. Ça différencie en fait quelqu'un qui vit de quelqu'un qui existe, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? MDR. Non mais c'est vrai, pour moi c'est ça. C'est quoi la différence entre exister et vivre alors? Mais vie. Exister et vivre, bah c'est justement c'est ça, c'est que t'as un sens à ta vie. Et donc du coup là tu existes, tu vois. Bah moi là je vis, mais j'ai pas forcément de sens à la vie, mais pourtant j'existe aussi, tu vois, donc c'est bizarre ton truc. Qu'est-ce que l'amour pour vous personnellement? L'amour. L'amour. Je sais pas, je connais pas. C'est ça, c'est. Non, c'est en vrai, pour moi, j'ai. Je sais pas comment définir. C'est quoi l'amour? C'est pas. Non. C'est pas définissable. Je dirais que c'est ça l'amour, en fait. C'est quelque chose qu'on peut pas définir. C'est ça qui fait de l'amour ce qui est, en fait. C'est quelque chose qu'on peut pas vraiment définir. L'amour, c'est. Tu saurais pas définir, ouais. Non, il n'y a pas de définition. C'est ça qui fait l'amour, c'est que tu sais pas le définir. Tu sais pas le définir, genre, parce que tu aimes tout, en fait. Tout peut être aimé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas. Non, c'est pas comme la haine. La haine, tu connais la haine, tu vois. Mais l'amour, non, ça touche un peu tout. L'amour, je t'aime. Ouais. Non, tu connais pas ça. Non, moi je connais pas. Après, il y a l'amour envers ses parents, c'est quelque chose d'indéfinissable en fait. Parce que, en général, même les parents, ils sont obligés d'aimer leurs enfants. Et nous, enfants, on est obligés d'aimer nos parents. C'est enfin, ça. Je sais pas. Genre, même mes parents, j'ai beaucoup de choses à leur reprocher. Ma mère, j'ai énormément de choses à lui reprocher. Mais pourtant, je l'aime et je pourrais pas le définir. Pourquoi je l'aime? Pas le définir. Pourquoi tu l'aimes? C'est des liens bizarres, ça. C'est ça. C'est étrange. C'est étrange. Mais c'est ce qui fait que l'amour, c'est l'amour. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Non, de rien, monsieur, de rien. Merci à vous. Quel est le sens de la vie pour vous? Oula. Sens de la vie. De la vie pour vous? Une idée. Je sais pas, c'est pas le genre de choses auxquelles je réfléchis tous les jours. Ouais, moi non plus. C'est le sens de ma vie, je sais pas, découvrir des choses scientifiques, par exemple, ouais. Qu'est-ce que l'amour pour vous, personnellement? Je sais pas trop comment répondre. J'avoue que je sais pas trop non plus. Quelque chose de fort. Un attachement envers une personne et des bons moments passés avec. Une relation avec une personne en particulier et des bons moments partagés. Merci beaucoup. Quel est le sens de la vie pour vous? Wow. Là, c'est une question. Je pense que c'est une question rhétorique. Il n'y a pas de réponse à ça. C'est-à-dire que, Bah, c'est être heureux. Hein. C'est faut faire ce qu'on aime faire, être épanoui dans sa vie. Mais sa réponse sera plus construite, je pense. Qu'est-ce que l'amour pour vous personnellement? Viens de poser. L'amour personnellement. Personnellement. C'est l'amour qu'on éprouve que pour quelqu'un. Qui est réciproque en fait, c'est un amour dans les deux sens. Quel est le sens de la mort pour vous? De la mort. De la mort. De la mort. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Et le début peut-être d'un nouveau. Enfin, j'y crois en tout cas. Ouais. Pour moi, après, c'est très subjectif. La mort, c'est une finalité en soi en fait, c'est un pont à sa vie. C'est la fin. C'est. Fin d'un cycle, je pense.
Ah ouais, mais ça moi, paraîtrait... moi je pense qu'il y a rien après. Ça me paraîtrait trop cruel le fait qu'il y ait. Rien. Qu'il y ait la mort, enfin la vie, puis la mort, et après c'est fini. C'est la nature. C'est trop cruel, alors, sachant qu'on a une conscience, etc. Je pense pas. La mort, c'est juste la dernière chose que tu fais sur Terre. C'est tout. C'est juste ça, c'est la dernière chose que tu fais sur Terre. Sur la Terre, il y a deux choses que tu fais obligatoirement. Première, tu nais. La deuxième, tu meurs. C'est tout. Tu fais plein de choses, t'es obligé, c'est toi qui les fais, tu vois, genre c'est comment tu vas les faire tout ça, mais il y a des choses que t'es obligé de les faire dans ta vie, c'est naître et mourir. Et ça c'est quoi qu'il arrive. Vie, en fait, tu peux être qui tu veux. Il y a un commencement et un point. Elle commence avec une majuscule et il y a un point à la fin. C'est ça, c'est la mort, c'est un cycle, c'est cycle. C'est ça, c'est un cycle, c'est. C'est un cycle. De toute espèce vivante en fait. Pas que les hommes. De tout ce qui existe. Même les arbres. Ouais. Mais même les trucs pas vivants, les cailloux, tout. La mort, c'est. Ça meurt pas, ouais, mais. Tout ce qui est vivant. C'est la fin, le temps, en fait. Genre, Ouais, la flore, etc. Les plantes, les machins, les abeilles, tout. C'est partout pareil. En fait, la mort, c'est le résultat du temps. C'est l'objectif du temps. Tout temps à mourir, à disparaître. Le néant. Après. Ouais, là on peut déblatérer pendant des heures parce que la question du temps aussi, c'est est-ce que le temps existe, est-ce l'objectif. Ou c'est pas juste un moyen de se repérer à un moment donné. Moi pour moi c'est ça, le temps n'existe pas, parce que déjà c'est pas linéaire. C'est un truc humain. Vu qu'on peut, c'est un truc vraiment scientifique, etc. Tu vois, mais... C'est vrai que le temps c'est humain, hein. C'est une manière de quantifier le temps. C'est totalement humain le temps. Mais c'est normal, c'est naturel le temps, c'est immuable. Parce qu'à l'échelle de l'univers, par exemple, le temps il s'écoule pas de la même manière. Ça on le sait avec les théories de la relativité générale et tout, restreinte. Ça on le sait, donc le temps après c'est. C'est relatif. Hein. Faut faire attention avec ce mot-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Pas de soucis. Merci à vous.